Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graveyard Keeper. Alors, dans cet épisode, on va commencer par aller voir, parce qu'on est déjà bien avancé dans la journée, on va commencer par aller voir l'Inquisiteur, parce qu'il va nous donner des quêtes. Et d'ailleurs, tiens, j'ai du raisin or ici. Je vais le récolter, je vais en profiter au passage. Et de l'argent là. Je vais poser ça. Et les graines en trop. On va continuer. On a du fertilisant à faire aussi dans cet épisode. On va voir ça ensemble. On va le faire. Et après, on sera le jour de l'astrologue. On va pouvoir acheter des bouquins pour pouvoir améliorer. Pour pouvoir améliorer nos points parce qu'on en a besoin. Et ça, ah oui, j'avais mis ce qu'il fallait, mais j'avais pas travaillé dessus. Heureusement que le raisin m'a pas pris trop d'énergie parce que ça coûte méga cher. Et j'ai mon stand à buffet. Voilà. Et je peux servir des hamburgers et de la bière. Donc il faut 5 hamburgers et 10 bières pour remplir le buffet. Tenez, regardez-moi cette tente. Excellent, la populace va adorer. Et vous allez probablement empocher beaucoup d'argent. Oui, monseigneur. Vous savez, au début, je vous ai trouvé un peu suspect. Je craignais que vous finissiez par poser problème. J'avais cette étrange impression que votre place n'était pas ici. Mais à présent, vous semblez être parfaitement intégré. Vous faites ce que l'on vous demande de faire. Et le profit signifie tout pour vous. Je pense qu'il y aura une place pour une personne telle que vous dans notre monde futur. Dans le monde que nous allons bâtir en ville. Un monde pur de pure foi. J'ai toujours pas été en ville d'ailleurs. Ah, un jour, l'assistance se rassemble. Jouez bien votre rôle et je jouerai le mien. Ok, donc, puis-je vous demander de libérer une gitane? Ah oui, parce qu'il y avait ça aussi. Ce n'est pas dans mes habitudes de relâcher qui que ce soit. Mais cette fois, je ferai une exception. Ses amis ont créé trop de grabuges devant mon quartier général. Ok, donc j'ai aidé le baron gitan. J'imagine que je dois retourner le voir et il va m'aider. Ou pas d'ailleurs, c'est peut-être juste une quête comme ça. Donc il me donne pas plus de quêtes pour le moment parce que bah, c'est toujours la suite de celle-là, à savoir il faut que je fasse 5 hamburgers or et 10 bières or. Et donc ça va demander beaucoup de préparation. On va continuer d'avancer tranquillement pendant ce temps-là. On va regarder pour faire les fertilisants déjà. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je pense que je vais essayer d'accélérer un peu la série parce que ça va être interminable si, sinon. Là, on a quand même bien avancé. Vous avez un peu tout vu. Donc, je vais essayer de farmer un petit peu de mon côté en off. Donc au niveau des cadavres pour améliorer le cimetière, au niveau de l'amélioration de l'église, etc. Mais je vais rien faire de nouveau, je vais faire que des trucs que j'ai déjà. Donc pour l'amélioration de l'église, on va essayer de voir ensemble maintenant. Alors, si je veux faire des engrais de qualité, il me faut 10 tourbes que j'ai oublié de prendre et un stimulateur de croissance. Le stimulateur de croissance, je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut ici. Il va me falloir de la cendre que je n'ai pas et de la solution de vie. Solution de vie que je n'ai pas parce que la solution de santé, c'est pas ça. Alors, on va aller dans. C'est dans le mixeur à main. Ça, c'est le brouilleur alchimique. On va aller dans le mixeur à main. Et est-ce que j'ai ce qu'il faut ici? Pour faire de la solution de vie, on peut faire, on peut broyer soit des cerveaux, soit des asticots, soit, on va se diriger au domicile, soit des fleurs jaunes. On a beaucoup d'asticots, beaucoup trop même, il y en a encore là. On ne sait pas quoi en faire. Hop, on va refaire du fertilisant ici. Donc on va utiliser les asticots. Je vais en prendre 9 de plus, comme ça je vais me débarrasser d'un stack. La tourbe, du coup, il m'en faut quand même pas mal. Je vais prendre les 34, je vais me débarrasser d'un stack de plus. Hop là, et on va pouvoir avancer là-dessus. Et il me faut la cendre aussi, donc je vais aller chercher mes cadavres brûlés, ou en tout cas la cendre de mes cadavres brûlés.
Ah, j'ai plus de carottes ici. J'ai plus de carottes, c'est pas très très grave. Et de la cendre, il m'en faut un pour un gros enhancer. Donc 5, ça suffira largement. Et donc on va retourner à l'église et on va faire le fertilisant. Le fertilisant, je vous le rappelle, le but c'est de... Ah tiens, j'ai de l'argent ici. Ah non. Je suis peut-être venu le chercher trop tard, ça disparaît au bout d'un moment. Je ne sais pas. Peut-être oublié de prendre l'argent, c'est honteux. Le fertilisant, ça va me permettre d'améliorer les graines que j'achète ou que j'ai trouvées pour passer de cuivre à argent ou de argent à or. Ah, je peux pas les utiliser. Je peux pas les utiliser parce que... Est-ce que je suis au bon endroit ? C'est ici, je crois, qu'il faut que je le fasse. Mais je peux pas mixer les asticots parce que j'ai pas fait les recherches dessus. Et j'ai plus de... Alors... Hop. Asticots. Ça m'arrange pas, je voulais faire toutes les recherches en même temps. Mais bon. Oula, en plus, ça donne un max de verre, les asticots. Je m'attendais pas à ça. Bon, alors, c'est parti, asticots. Ah bah non, toujours pas. C'est parce que j'ai pas la bonne... j'ai pas le bon outil, à mon avis. Ça, c'est le broyeur, il me faut le mixeur à main. Mélangeur à main. C'est quoi ça, alors? Ça, c'est un broyeur alchimique. J'ai pas de mélangeur à main. Ah. Donc je peux pas le faire. Et ben il me faut 6 planches, 4 fers simples et 8 clous. Donc planches, fers simples et clous. Hop là. Planches, j'en ai pas là. Des clous, il y en a vraiment plus beaucoup. Du fer simple. On va en prendre... je sais plus combien c'était, je vais en prendre 10. J'ai plus trop de fer complexe non plus. Refais-moi des clous, toi. Hop là. On va remettre du métal là. Alors, clou. Oh, bah j'en ai là des clous. Je vais en prendre 10 aussi. Et je vais faire quelques planches à emmener là-bas. C'est bizarre que j'ai pas du tout de planches. Non, je vais pas le faire avec ça. Je vais le faire avec ça. Planche en bois, on va dire que 6 c'est suffisant. Et je vais pas avoir l'énergie qu'il faut. C'est pas grave, je vais aller dormir. De toute façon, je vais avoir besoin de l'énergie. Quoi qu'il arrive, pour construire le mélangeur à main. On va dormir. Le temps avance beaucoup. Faut faire attention parce qu'il faut que j'aille voir l'alchimiste aujourd'hui pour lui acheter des bouquins, un maximum de bouquins. On va regarder un peu les technologies ensemble. Ce qui m'intéresse, moi, actuellement, c'est en théologie... d'aller chercher ici tout ce qui est pour améliorer l'église, pour avoir plus de foi à chaque fois que je fais une messe, parce que j'en ai vraiment trop peu. Donc il y a les candélabres 2 et le vitrail que je peux avoir là déjà. Le vitrail, il va me falloir des pièces en or, donc il va falloir que je les achète au marchand. Et le candélabre, on verra ce qu'il me faut pour le créer. Et je vois que j'ai aussi les bancs d'église confortables, pareil, il faudra que j'achète des trucs au marchand, et ça pour le coup... autant le vitrail c'est des pièces en or, je peux les créer avec la bijouterie machin, si je loot de l'or machin. Par contre les bancs d'église, vous devez acheter de la soie au marchand et il n'y a que le marchand qui vende de la soie dans le jeu, vous ne pouvez pas la récolter. Et je vois qu'il manque des points verts, donc je vais acheter des points verts et bleus parce qu'il en faut tout le temps, mais faut que je pense à prendre des points verts. Oula, j'ai plein de trucs sur moi. Par contre, on va poser ça, qui n'a rien à faire là, mais on va le poser là temporairement. Ok. On va voir au phare l'astronome, je dis l'alchimiste depuis tout à l'heure. J'ai besoin de vous pour des calculs au sujet du moulin. Oh bah tiens. Vous êtes fort pour calculer des angles et des cosinus, n'est-ce pas? Oh, ça me paraît compliqué votre histoire. Je ne suis pas si sûr. Ah, il faut que je monte à 60. Bon. Je vais lui acheter du coup. C'est combien? Ça qui donne des points, ça qui en donne plus. Ça en donne 50, on va en prendre 50 d'un coup. Bon, en fait, voilà, on va faire ça comme ça. Je vais rester à 2 d'or, au cas où.
Quoique je dois avoir plein de trucs à vendre, de bonhommes enterrés et tout. Donc je suis pas à 3 pièces d'argent près, je devrais pouvoir les récupérer. Je vais prendre tout ça. Je vais apprendre les bouquins. J'avais pile ce qu'il fallait en termes de place en plus. Ça va me faire un maximum de points pour pouvoir acheter des nouveaux trucs. Et ça c'est cool. Donc on va prendre la douceur de la foi. Et donc on a les bancs d'église confortables qui vont pouvoir améliorer. Entre ça, les vitraux vont augmenter pas mal. Et les candélabres 2, on va être pas mal. Du coup, on retourne au domicile. On finit les planches. Hop là. Et on va faire le mixeur à main. Et en même temps, on pourra aller checker du coup ce qu'il faut pour les différentes parties d'église. Alors, tac 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 tac. Un mélangeur à main. On est d'accord que j'en ai pas de caché là. Mais si c'est ça un mélangeur à main, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'en refaire un. Alors, j'y retourne. Je vais voir si j'ai raté un truc. Ah bah non, c'est là. Ok, bah autant pour moi, j'avais pas besoin de le faire. Alors, solution de vie, on va en faire deux, tout de suite. Je sais plus combien j'en ai besoin, mais une seule, normalement. On va poser dans les trucs d'alchimie ici, les asticots, la tourbe, les solutions de vie, et on est pas mal. Le raisin, faut que je m'en débarrasse aussi, mais faut que je le pose au bon endroit. Ici, dans l'établi d'église, du coup, maintenant... Ah, j'ai toujours pas le stimulateur de croissance, parce que... Il faut que je le craft. Et donc, le stimulateur de croissance, on va mélanger des cendres avec de la solution de vie. Voilà, on va faire ça. Je fais une solution de vie. Je vais en faire une deuxième tout de suite. Enfin, je fais un stimulateur de croissance, pardon. Hop, j'ai deux stimulateurs de croissance, on va pouvoir aller jusqu'ici et on va faire des engrais de qualité, on va en faire deux tout de suite. Ça se fait par 10, donc j'en aurai 20, mais j'en mets un par champ et c'est du consommable, hein, donc dès que vous en mettez un, vous le perdez. Ah oui, j'ai dit que j'ai passé voir aussi pour l'église. On fait plein de trucs dans cet épisode. Alors, dans l'église, si je viens ici, on va voir tout ce qu'il me faut. L'autel, il est toujours en bois. Candélabre 2, il me faut des pièces de fer complexes et des pièces de fer simples. Ok, donc j'ai les fers simples. Candélabre, je me souviens plus combien on en fait. 1, 2, 2. Candélabre, on en fait 2. Donc il m'en faudrait 8 fers complexes. Banc d'église, il va me falloir des planches, c'est facile. Des poutres, je crois que je sais les faire, je les ai rushés assez vite. Ok, et deux soies par banc. Et là, alors, par contre, les bancs, il m'en faut plein, il m'en faut 8, je crois. 6. C'est ça, hein, je peux pas en faire plus. Donc 6 bancs là. Donc il va me falloir 12 soies, c'est énorme, c'est très cher. Ça, il me faut du verre, normalement j'en ai un peu d'avance. Des fers complexes, donc il m'en faut encore plus. Vitrail, je pense que c'est un de chaque côté. Donc on va partir sur 4 bijoux en or, 10 fers complexes et 8 de verre. Donc des fers complexes, il m'en faut plein. Tac, 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 tac. Du verre, du fer complexe. Et du fer simple. Le truc, c'est que le fer simple... domicile... Le fer simple, ça va... Alors toi, du coup, tu vas arrêter de faire des clous à l'infini. Tu vas me faire du fer complexe. Tu vas m'en faire 20. Et du coup, tu vas me refaire du fer simple. Après. Voilà. Alors... Tchac, 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 tchac. On récupère du métal, des barres de fer. Ça va permettre de les mettre pour faire... plus de... Et on va refaire des lingots de métaux. De métal. Ici. Je vais pas en faire trop d'un coup, parce que j'aurais peut-être besoin de faire de l'acier. Mais on va doubler pour aller plus vite. Ensuite, hop, 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 on continue. C'est pas fini, on veut voir... j'avais fait des pièces d'acier pour faire les bouquins, la soupe et tout. Il faut que je vois... ce qui me manque, parce que j'ai un peu zappé... Je sais jamais lequel c'est des deux. Livre. Ah, faut peut-être que je fasse un livre.
Si je veux faire une prière combinée méga chère, il me faut un livre. Or, là, si je veux faire un livre, or, il me faut un chapitre or, ça je peux le faire sans trop de problèmes, et un livre relié. Voilà, et c'est ça qui doit se faire ici. Livre relié. Je peux faire le livre relié argent, déjà. Et après, il me faudra deux bijoux en métal pour faire le livre relié or. On va déjà faire ça. Hop, ça va me donner des points. Livre relié or, il me manque les deux fragments de bijoux. Donc ça, il va falloir que je les achète au marchand ou que je les fasse. Mais alors, pour les faire, il va falloir que j'aille en forgeage. Jusqu'ici, il me faudrait 150 en rouge. Et évidemment, je ne l'ai pas acheté, le rouge. Et en plus, il faudrait que je prenne d'abord l'or ici. Donc, je vais essayer de gagner de l'argent et de les acheter. Ça va me coûter méga cher, ça va me prendre un peu de temps de faire tout ça. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup. On passe à la journée, on va prendre ça. Je vais déposer, je vois que j'ai gardé des cendres sur moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais les poser. Voilà, clou, il me fallait du fer simple. On va aller voir ce qu'il y a, du fer complexe, on va aller voir ce qui a déjà été crafté, sachant que j'en ai là. J'en ai pas là ? Si, j'en ai une là. Pourquoi il se... Pourquoi tu bosses pas, toi ? Ou alors j'en ai plus là, et du coup ça s'est stacké ici. Ah, j'en avais déjà pas mal ici. Pourquoi ça se met à différents endroits ? Normalement, c'est censé se stacker. C'est un peu bizarre, cette histoire. C'est pas grave. Hop. Du coup, j'ai pas besoin d'en faire autant. Non, non, s'il continue de bosser. Mais du coup, je vais lui en demander de m'en faire moins. Et comme ça, je vais pouvoir refaire des clous. Parce que le but, c'est aussi de faire des clous à max, je vous rappelle, pour gagner de l'argent le jour du marchand, quel prochain. Et comme j'ai besoin de beaucoup d'argent, et ben, c'est le moment d'en avoir. Ah, j'ai un peu de foie là, ça c'est cool. Là, je suis vraiment à la fois prêt. Alors, on va construire des candélabres 2. Bah, du coup, il faut détruire d'abord ces deux-là. Ah, il veut pas détruire les candélabres ? Retirer. Pourquoi il veut pas retirer ? Fabriquer. Ok. Je voudrais retirer cela. Ah, j'aime pas trop ce qui se passe. Là, il veut bien. Ah, il veut bien, mais il faut cliquer au bon endroit. Alors, du coup, je veux pas retirer ça. C'était une blague. Alors, hop, on y va. On retire ça. On récupère un tas de ferraille. Oh, j'en ai de la ferraille. Il faudrait peut-être que je la fonde aussi. Et on récupère quelques pièces de fer simple. Ça, c'est bien aussi. Alors, candélabre 2. Je pourrais faire le 3 tout de suite, mais le but, c'est de faire un maximum dès maintenant. Il me manque, du coup, 2 fragments de bijoux pour les vitraux et 8 verres. J'ai pas pris le verre. Les bancs d'église, ok, ok. On peut faire un coffre. Ça donne pas de points, hein, mais on pourrait faire un coffre dans l'église pour stocker le... pour stocker... hôtel en bois... Qu'est-ce qui se met là? Pourquoi j'ai un trou? Trail, je vais vérifier ça. Ici. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas fait? Hôtel en pierre, candélabre. Brûle en sang. Je peux y mettre des candélabres, mais c'est pas la place n'est pas là pour ça. Candélabre mural. Oh, j'en avais pas. Je peux mettre des candélabres muraux. Il me faudrait plus de fer complexe. Brûlant sang confessionnal. Il est brûlant sang, c'est ça. 4 places. C'est marrant, il y a cette place là-haut et je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour l'hôtel, mais non, l'hôtel c'est juste ça. Bon, je peux aller me faire. Du coup. Oh, j'irai après ça. Hop. Domicile. On va poser. La ferraille. On va. Récupérer
Ouais, ça fond beaucoup plus vite du coup avec ce four là, hein, qui est le four supérieur. On va poser ça pour qu'il bosse. On va récupérer quoi? Du fer complexe. Pour faire un candélabre mural en plus. Et du verre, il m'en fallait 8. Donc c'est parfait. On va pouvoir retourner dans l'église. On va profiter de ne pas oublier cette fois. Je suis passé plein de fois. Pour poser le raisin, pour se débarrasser un peu. Je vois que j'ai mon livre aussi. Mon livre doré, on va le... argenté, pardon. On va le déposer. Ça ne sert à rien de le garder. On va le mettre dans la bibliothèque. Voilà, on va pouvoir poser ça aussi. Le fertilisant, je m'en suis pas occupé. On va le faire la prochaine fois. Ici, je vais juste faire mon candélabre mural. Voilà, j'essaierai de trouver ce qui manque ici. Il manque un truc, je sais pas quoi. Et du coup, là, je suis monté à 31, ce qui fait que j'ai déjà plus. Ça, c'est cool. Est-ce que j'ai crafté? Ouais, c'est bon. Et est-ce que j'avais des bougies? Il me semble que j'en avais acheté. Je les ai peut-être déjà toutes utilisées, mais il me semble que j'en avais acheté quelques-unes au marchand. Ouais, j'en ai 18. Je vais pouvoir allumer et sur les candélabres ici, vous en utilisez 2 sur les muraux et vous en utilisez 2 aussi sur les candélabres 2. Et du coup, ça vous donne plus 2 au lieu de vous donner plus 1. Donc ça utilise beaucoup plus de bougies, mais regardez, hop, j'ai mon église qui est à 39 du coup. Et ça va me permettre de faire un sermon, alors qui pour le moment est toujours cuivre, mais qui va peut-être enfin monter bientôt. Et je vais avoir beaucoup plus de foi. Là, ça commence déjà, je suis à 8 sur la première, sur le premier jet. Ouais, super serment. Voilà, je vais avoir un petit peu d'argent, et surtout, je vais avoir beaucoup plus de foi. Je suis à 13 fois, là. C'est la méga fête. On récupère l'argent, je suis à 12 d'argent, j'avais. Et là, il me faut 50, donc 50, je les ai pas encore, mais je vais essayer de les atteindre le plus vite possible maintenant. Voilà, donc la prochaine fois, ça sera le jour du marchand, on ira acheter. On va encore faire au moins un épisode du coup. On ira acheter des bijoux en or le plus possible. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas en acheter trop, mais le plus possible pour installer le vitrail. On va lui acheter la soie aussi en fonction des fonds disponibles évidemment, pour installer des bancs confortables. Ça donne quand même 2 de plus par banc confortable. Les vitraux sont plus intéressants puisqu'ils donneront 5 au lieu de gagner plus 2, je gagnerai 5 par vitrail. D'ailleurs, avec 5, je monte à 30 9 en allumant. Si je brûle les encens, je monte à 50, et si j'arrive à faire un seul banc, j'ai même pas besoin de brûler les encens. Et du coup, et bah c'est pas mal, et on verra ce qui manque là. Il manque un truc, c'est peut-être des confessionnals, mais ça me paraît bizarre là-bas, c'est pas très logique. Il y a peut-être encore un truc que j'ai pas pris du coup. On verra tout ça, on améliorera donc l'église, on plantera aussi les oignons pour les faire pousser, et du coup, bah avec tout ça, je pense qu'on sera à peu près bon. Je pourrais farmer un peu pour récupérer plus de fois. Là, vous voyez que j'en ai quand même gagné pas mal. Donc on verra. On verra si c'est la peine ou si je peux m'en passer. Mais on fera le possible pour avancer un maximum là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.